Aujourd'hui, on se transforme en petit bonhomme bleu avec Dani, un téléspectateur de Gulli. Salut, what's up? On va découvrir de nouvelles aventures. Tout à fait, car tu vas tester le nouvel opus des Schtroumpfs 2, baptisé Le Prisonnier de la Pierre Verte. Quentin va pouvoir nous en dire davantage. Dans ce jeu, on incarne des Schtroumpfs et on va retrouver les fragments d'une pierre qu'on appelle la Pierre Verte pour recomposer cette pierre et remettre en prison Stolas. Stolas, c'est le méchant de l'histoire. Et pour ceux qui vivraient sur une autre planète, les Schtroumpfs, ce sont ces créatures bleues hautes comme trois pommes. Quelles sont les différences avec le premier volet? Il n'y a pas de différence, on est dans la continuité de l'histoire. On va juste avoir un nouvel ennemi à affronter. Et puis surtout, une petite surprise, c'est qu'on a Gargamel aujourd'hui qui est allié des Schtroumpfs. Oui, car Gargamel était l'ennemi originel des Schtroumpfs. Que faut-il pour être bon à ce jeu? Il va falloir pas mal de réflexes parce qu'il va falloir sauter pour aller de plateforme en plateforme. Et il va falloir aussi bien viser parce qu'il y a quand même des ennemis à éliminer. Allons voir Dani qui a testé pour nous ce jeu. Alors, t'en as pensé quoi? Ça m'a plu, j'aime bien les Schtroumpfs et c'est mon dessin préféré. Ah bah ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as dû faire? J'ai dû aller chez Gargamel prendre le cristal, mais il s'est transformé en monstre. Et maintenant, je dois tirer sur les cristaux pour enlever le noir. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? C'était dur de sauter trois fois au début parce que je savais pas où sauter. C'est normal, au début, on ne maîtrise pas forcément tout direct. Mais après, tu t'en es super bien sorti. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon toi? J'aurais aimé trouver plus de trésors sur le parcours. Allez, Dani, donne-nous une note. Je mets 5, ouais. C'est donc la perfection pour ce jeu d'action et d'aventure qui est déjà disponible sur plusieurs plateformes à une cinquantaine d'euros. Eh, merci, Dani, pour ta participation. À bientôt. Au revoir, what's up.